Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée, dont voici d'abord les principaux titres. Le chef de l'État burundais indique que le problème de pénurie répétitive du carburant est dû aux opérateurs économiques et privés. Lors de l'émission publique ce vendredi, Évariste Ndayishimiye rassure les Burundais qu'une société publique spéciale pour le carburant est en cours de création pour pallier ce problème. Et le président de l'Assemblée nationale demande aux gestionnaires du gouvernement de réformer le ministère de l'Hydraulique, Énergie et des Mines suite au manque du professionnalisme. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le disais tantôt dans les titres, au cours de l'émission publique animée ce vendredi, le chef de l'État burundais a indiqué que le problème de pénurie répétitive du carburant est dû aux opérateurs économiques et privés. Il explique qu'ils n'importaient pas de produits stratégiques alors qu'ils ont bénéficié des devises. Toutefois, Évariste Ndayishimiye a rassuré les Burundais qu'une société publique spéciale pour le carburant est en cours de création pour pallier ce problème. Il a annoncé également que le gouvernement va passer à la saisie des biens des opérateurs impliqués dans un délai qui n'a pas précisé. Suivez-les, traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. Je tiens à vous informer qu'à titre d'exemple, jusqu'ici, nous avons recensé 48 millions de dollars octroyés pour les importations depuis 2019 jusqu'en 2021. Mais les opérateurs bénéficiaires n'ont rien importé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vidé les caisses de l'État et pour les remplir de nouveau, les quelques devises collectées doivent couvrir les quantités minimes. Si ces personnes se décidaient à les rembourser, cette somme pourrait couvrir les réserves de change d'un mois et demi en produits pétroliers. Donc, que vous ne continuez pas à dire que le problème du carburant est celui du gouvernement, mais plutôt celui des personnes qui ont voulu vider les devises dans les caisses de l'État. Pour avoir de nouveau les réserves de change suffisantes, il va falloir beaucoup de temps, car les quelques devises qui rentrent dans les caisses sont utilisées pour l'achat des fertilisants, médicaments et du carburant. Dans ce cas, on n'importe quelle quantité de carburant. C'est pourquoi, si nous importons du carburant pour 2 semaines, recherchons d'autres devises pour couvrir les 2 autres semaines qui restent. Nous voulons créer une société publique spéciale pour le carburant, laquelle servira toutes les autres sociétés pétrolières. Nous voyons que l'organisation avance de façon que nous puissions bénéficier d'un prêt. Mais vous savez que pour y arriver, on doit démontrer au préalable qu'il y a une bonne organisation. Nous sommes à l'œuvre et je peux vous rassurer car, comme vous le savez auparavant, les opérateurs privés importaient les quantités qu'ils voulaient et pouvaient suspendre l'importation. Nous avons d'abord recensé les opérateurs. C'est une tâche difficile. On se rend d'abord à la Banque centrale, puis à l'Office burundais des recettes pour vérifier tous les produits importés et leur valeur pour constater les reliquats. Ensuite, il est interdit d'interpeller une personne sans enquête préalable. Je vous avise que vous verrez prochainement des saisies des biens pour certaines personnes. Il n'y a pas d'autre choix car emprisonner une personne n'est pas primordial. Le président de l'Assemblée nationale a demandé aux gestionnaires du gouvernement de réformer le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Pour lui, il est impossible qu'un ministère puisse fonctionner normalement sans manuel de procédure ni de code de déontologie et éthique, des dossiers des marchés publics qui n'ont pas de procès-verbaux d'ouverture et des procès-verbaux des réunions du ministre et des services. Lors des questions orales jeudi de la semaine écoulée sur le rapport d'audit de la capacité de gestion budgétaire réalisé par la Cour des comptes période 2019-2020, 2023. Place de Niomungere pour les détails.
ministère Ndiya organigramme, ministère Ndiya manuel de procédure, manuel le système de contrôle interne Ndizikora, ministère Binujana rapportage Ndibikora. Son ministère que le président de l'Assemblée nationale trouve presque inexistant, c'est celui de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Selon la commission permanente en charge des comptes publics et des finances au niveau de l'Assemblée nationale, le rapport d'audit sur les capacités de gestion budgétaire réalisé par la Cour des comptes au niveau de l'administration centrale du ministère de l'Énergie et des Mines pour la période allant de 2019 à 2023 révèle des manquements au niveau de l'environnement de contrôle, tels que le manque de manuel de procédure et de la déontologie éthique, en plus des manquements liés aux activités de contrôle, comme l'a précisé le président de la commission. Pour le président de l'Assemblée nationale, vu ces manquements, c'est impossible que le ministère fonctionne normalement vu cette situation qui s'empire. Le député Simo Bizimungu s'interroge si le ministère en soi reconnaît au moins le contenu de ce rapport d'audit de la Cour des comptes. Selon lui, par ces manquements, il est lisible que les difficultés qui hantent la population en rapport avec le manque d'eau, de l'électricité et du carburant tirent source de ce dysfonctionnement. Par cette situation, les députés Saoud Damboneko et Olivier Suguru reviennent pour remettre en doute le pouvoir de décision et de contrôle que dispose le ministre de l'Hydraulique pour contrôler les entités administratives sous sa tutelle. Face à cette situation révélée par la Cour des comptes, la Chambre basse du Parlement burundais recommande la réforme de ce ministère de l'hydraulique, énergie et mines pour limiter le chevauchement entre les services déconcentrés et le risque d'impasse. En plus, l'Assemblée nationale suggère au ministère de l'énergie et mines de tenir dans l'urgence des états généraux pour aligner ses fonctionnaires vis-à-vis des missions leur assignées, ce que le ministre Ibrahim Ouizeye accueille favorablement et promet d'organiser dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Attentionnée par cette situation, l'Assemblée nationale du Burundi précise qu'elle va également saisir la Cour des comptes pour réaliser un autre audit au sein de ce ministère afin d'établir la responsabilité de tous ses fonctionnaires dans ce dysfonctionnement et évaluer aussi la tendance au changement. Merci Placide Niyongele. Parlons toujours de l'actualité qui a marqué la semaine. Le Burundi n'a pas de stratégie de gestion de la dette publique. Une affirmation du ministre des Finances qui a annoncé toutefois l'élaboration de cette stratégie par des experts burundais sous l'appui des partenaires. Lors de l'analyse du projet de loi portant révision de la loi de mai 2016 régissant la dette publique, il a indiqué que la dette en soi n'a rien de mauvais, mais plutôt c'est sa gestion opaque qui pose problème. Mireille Kanyang. La révision de cette loi de mai 2016 est guidée par des lacunes observées en matière de gestion de la dette publique, a indiqué le ministre des Finances. C'est en effet le cadre légal existant en matière de gestion de la dette publique qui ne clarifiait pas la tutelle financière des collectivités locales et des sociétés à participation publique, alors que les prérogatives d'engager financièrement l'État reviennent au ministre des Finances. C'est également le cadre légal ne donnant pas de façon clair la manière dont les garanties et les dettes rétrocédées sont accordées. Selon le rapport de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, la dette extérieure contractée par l'administration centrale au 30 juin de cette année est de plus de 1681 milliards de francs-bou. La dette intérieure contractée par les entreprises publiques et les sociétés à participation publique au 31 décembre 2022 est de plus de 560 milliards de francs-bou, selon toujours ce document. Lors de l'analyse de ce projet de loi ce mardi, les élus du peuple ont soulevé des inquiétudes par rapport à cette dette. C'est entre autres les députés Elias Bouregoure quant à l'absence aujourd'hui d'une stratégie de gestion de la dette publique. Les inquiétudes, c'est en outre avec le remboursement de la dette publique.
En réaction à ces inquiétudes, Audace Niyonzima, ministre des Finances, a fait savoir que des experts burundais, avec ceux de la Banque mondiale, sont en train d'élaborer cette stratégie. En ce qui est du paiement de la dette, le ministre des Finances a précisé que chaque année, sous le budget de l'État, des intérêts et commissions sont payés pour cet exercice budgétaire, dit-il. Des intérêts de 31 milliards de francs burundais seront payés. Après moult inquiétudes des députés et des réponses irrelatives, ce projet de loi a par la suite été adopté à l'unanimité par 108 députés. Et après l'adoption de ce projet de loi, les députés ont sorti des recommandations qui devraient guider l'État pour éradiquer les détourneurs de fonds publics. Ces recommandations ont été lues par Gélase Daniel Ndabilabe, président de l'Assemblée nationale. Il est traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. Vous avez bien entendu les recommandations des députés pour éradiquer le détournement des deniers publics. Pour ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs implications, vous aurez compris qu'il n'y a pas moyen de les rejeter alors qu'ils ont failli à leur mission pour lesquelles ils avaient été mandatés par le gouvernement. En deuxième lieu, il faut que ces personnes soient arrêtées. Troisièmement, il faut qu'ils soient obligés à rembourser les biens volés. En quatrième lieu, il faut qu'ils soient sanctionnés. Cinquièmement, qu'ils soient montrés au public à travers les télévisions et affichés dans des stades. En sixième lieu, il faut passer à la saisie de leurs biens une fois qu'ils refusent de rembourser. Septièmement, il faut les révoquer. Huitièmement, il faut interdire tout employeur de les embaucher de nouveau dans les ONG, voire ne pas leur donner la permission de créer les leurs. En dernier lieu, les députés ont aussi recommandé de saisir les fonds qu'ils ont redonnés à leur maîtresse. On avait oublié cette recommandation alors qu'elle est si importante. Certains commerçants œuvrant au marché du Louvre-Mère à Mairie de Bujumbura saluent la nouvelle mesure concernant la location des stands dans le marché public. Cette mesure fixe au double le tarif de location des stands par rapport au prix qui avait été fixé par la mairie ou les communes. Selon le projet de loi portant révision du budget général de l'État, exercice en cours, ceux qui sont exprimés souhaitent que cette décision soit mise en application le plus tôt possible. Jean-Marie Mayong. Ces commerçants signalent qu'ils ont bien accueilli la mesure fixant paiement des stands au double le tarif qui diffère de celui qui a été fixé par l'OBR. Ces commerçants précisent que cela leur permettra de bien exercer leurs activités commerciales. Nous, les commerçants du marché de Ruvumeira, nous payons à la mairie 12 000 francs burundais par mois. Il y a quelques jours, les agents de l'OBR sont venus et nous ont fixé une autre somme de taxes de 250 000 francs burundais par mois, une mesure qui ne facilitait pas nos activités. Comme cette place est trop étroite et on ne voyait pas où trouver cette somme. Ici, moi je vais payer 24 000 francs burundais car je payais 12 000. À l'époque, on payait 24 000, mais j'ai entendu un communiqué qui annonçait que nous allons payer le double de la somme qu'on payait à la mairie avant. Nous avons bien accueilli cette mesure. S'ils multiplient la somme par deux, ça ne nous dérange pas. La première mesure était trop lourde, voire même un fardeau. Il demande que cette mesure soit mise en application dans le plus bref délai pour qu'il continue à bien travailler.
qu'il fasse vite pour mettre en application cette mesure. Nous sommes contentes. En plus, il nous donne son message à la fin de l'année. Nous considérons cela comme un cadeau de la part du gouvernement. Nous étions vraiment mal à l'aise dans nos cœurs. Cette mesure fixe au double le tarif de location des stands selon le projet de loi portant révision du budget général de l'État en cours. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons en point final cette édition qui a marqué la semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.